Bien compris. Non, parce que c'est facile, c'est un plan par étapes. Alors, petit 1, eh ben tu fais ce qu'on a dit, atterrissage léger, regard intrépide. Petit 2, tu balances tout, comme à l'entraînement, boucherie, boucherie, boucherie. Et enfin, petit 4, tu fais ton salut, tu repars la tête haute, merci, bonsoir. Ça marche pour toi? Oui, Stillman. Sauf qu'après, petit 2, c'est petit 3. Bah quoi, c'est ce que je viens de dire? Non, je crois que tu as dit petit 4. J'ai jamais dit petit 4. T'as dit petit 4, Stillman. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu ronflais quand j'ai dit petit 4. Allez, c'est pas grave. Ouais, faut voir. Oh, ouais, ça va, toi, hein? Tu vas pas remettre ça sur le tapis. Bouchon, tu me donneras ton costume pour que je le repasse, hein? Oui, à ce propos, les collants, c'est obligé? Tu vas pas recommencer avec ça, hein? Et puis il est tard. Allez, file te coucher. Quoi? Déjà? Ben oui, pas question de prendre le moindre risque. Faut que tu sois en pleine forme demain. Alors tu fais ce qu'on te dit et tu passes ton costard à ours. Mais t'inquiète pas. Même après une nuit blanche, je lui mets la misère à la fille de Néfastor. Néfaste? Salopard! Oh, salopard! Salopard? Eh, dis donc, surtout ton langage, Ulti. N'oublie pas que tu représentes la famille. On a une réputation à défendre. Allez, tu fais la bise et tu montes te coucher. Bon. Maintenant qu'on n'est plus que quatre, on s'en fait une petite? T'inquiète, papa. Le morveux en latex, il va comprendre sa douleur. Quand j'en aurai fini avec lui, il aura l'air d'un sgeg mollasson dans une capote usagée. Non, mais dis-donc, mais qu'est-ce que c'est que ce langage de charretier? Laisse donc ce genre de prose à ces débris vermoulus d'enfoirés et à leur trou du cul de bâtard! Oui, père. Pardon, père. N'empêche, il va pas y couper, le merdeux. L'heure est venue de payer pour vos forfaits. Apprêtez-vous à rejoindre les vôtres dans le purin de l'ignorance et de la duperie. Vous pourrirez pour l'éternité. Prosternez-vous devant la plus néfaste de mes créations qui va... Peut pas s'en empêcher. Faut toujours qu'il en fasse des caisses, lui. La redoutable Ténébra. C'est qu'elle est équipée, la gamine. Tu l'as dit. Petit joueur. Bravo, mon chéri! T'es un champion! Allez, Ultima! Allez! Vas-y, ma blette. T'es la meilleure. Regarde comme il est fagoté, on dirait une ballerine. On dirait une ballerine! Ah, bah voilà, je vous l'avais dit. Mais non, mon chéri! T'es beau comme un cœur! Allez! Te laisse pas impressionner, gamin! T'as vu la pouffe? On dirait une saucisse de Francfort qui a éclaté. Les écoute pas, ils sont jaloux parce que la saucisse de leur puceau, elle est jamais sortie de sa coquille. Bah, trop pas, hein? Même pas moi. Oh, bah, c'est sûr, c'est pas comparable. La coquille de ta laine, elle en a vu penser des Bernard Lerby. Tu causes pas comme ça de la petite. Je cause comme je veux. Viens me le dire enfin si t'es un homme. Terminé. Non! Je l'avais, là! Allez, Stillman! Casse-lui les pouces!
bête! Me faire traiter de lopette par trois midinettes qui passent leur temps à se renifler le fion! Alors ça, ça me fait bien marrer! Je vais me lever! Ah, viens! Viens, je t'attends là, viens! Tu me connais pas, hein? Tu me connais mais pas! Mais personne te connaît! Sous-marque! Ça fait trop longtemps que tu nous fais chier! Ça me va droit au cœur, connard! Oh! Alors toi, le micro-ondes, tu vas bien la fermer, ta gueule! Eh ben vas-y, viens me la faire fermer, ma gueule! Ah ouais? Ben, 2x4. Hein? Ouais, fais pas le sourd, toi. Alors, 2x4. Quoi? Ben oui, 2x4. Et alors? Alors, ça fait combien, abruti? Eh, les gars, et vous l'entendez? 2x4. Quel con. Souffle pas, toi, je t'ai vu. Alors, Stillman, t'as couche ou t'as besoin d'un coup de taser pour l'allumer, ta calculette? Ah, foulu la paix, hein? Tu sais bien que... Et tu sais bien que quoi? Que tu nous fais chier! Toi aussi! Si tu savais compter, ben on n'en serait pas là! Ignare! Ah ben tu vois... Mais c'est lui qui fait chier! Je les avais comptés, moi, les atouts, ce jour-là! Tu les avais comptés? Tu les avais comptés? Et alors j'avais dit belote! Pourquoi de con? Ça voulait dire qu'il m'en restait un d'atout! Si t'avais pas coupé sur moi, ben ils étaient capots les deux! Non mais je rêve, il parle de belote là! Et la rebelote! La belote, jeu de cartes populaire qui se dispute généralement à 2 contre 2. La belote est souvent propice à des échanges passionnés à la fin de chaque tour, notamment lorsqu'un coéquipier n'a pas compté correctement les atouts écumés lors de la partie. Au départ, anodin et bon enfant, les commentaires de chacun peuvent prendre l'allure d'une joute verbale très animée, donnant parfois lieu à quelques remarques mesquines et autres attaques personnelles, ponctuées de noms d'oiseaux. La rancœur engendrée peut alors semer une légère discorde entre les équipiers, discorde qui parfois prend des proportions épiques. Ils seront bien, là. Oui, et puis, ils éviteront de se faire mal pour... Des conneries. Enfin, des conneries... Ça fait 50 ans que ça dure, hein. Ton père, il a la rancœur tenace, quand même, hein. 57, en fait. Oui, bah ça va, j'arrondis, quoi. Ah, ok. Du coup, 60. Bah, ouais, c'est ce que je viens de dire. Mais tu déconnes ou quoi, t'as dit 50? Moi, j'ai dit 50. Ah bah, ouais, t'as dit 50, ouais. Oh là là, la mauvaise foi. Non mais j'hallucine, quoi. Attends, sérieux, tu sais vraiment pas compter? Alors, petit 1, je sais compter. Petit 2, ta gueule. Et petit 4, tu... Dun 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 dun.